Mais qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est le grand daim blanc. Il est mort. Oh non! Comme si le drame ne suffisait pas, notre noble ami et protecteur allait vite être remplacé par un véritable tyran. Oh, mais tu n'es pas Belette. Moi, je suis Brute. Et le pire était à venir. Chouette nous quitta après avoir été gravement insultée par Belette. J'en ai assez! Je m'en vais! Et ensuite, Belette nous a annoncé qu'elle attendait des petits et qu'elle aussi, elle allait quitter le parc. Pour toujours! Pour toujours? Oh! On fait la course. C'est moi le plus rapide. Alors dépêchez-vous. Allez, continuez. Vas-y, vas-y, courage. Oh tiens, c'est toi Brute. En voilà une bonne surprise. Je crois qu'on ne s'est pas vu depuis que tu es devenu le chef. Il faut que je te félicite. C'est ça, bonne journée à toi aussi. Non, ce n'est pas du tout une bonne journée. Entre nous, ma journée est totalement gâchée. Oh, ça c'est dommage. Et pourquoi ça? J'ai vu une Belette. Ça c'est impossible. Belette et Minus ont quitté le parc il y a de ça plusieurs mois. Je parle de toi. Tu es une Belette. Je suis une Belette? Content de voir que tu le reconnais. Est-ce qu'une Belette a une queue aussi poilue? En ce qui me concerne dans ce parc, tout ce qui n'est pas un daim blanc est une Belette. Autrement dit, tu es une Belette. Ne me menace pas! J'ai horreur de ça! Comment s'appelle cet endroit? Le parc du daim blanc. Ça veut dire que c'est le domaine du daim blanc et pas celui de Belette comme toi et de tes amis du bois de Katsu. Je suis née dans ce parc, comme beaucoup d'autres. On a autant de droits que toi. Ne discute pas avec moi, espèce de Belette rusée comme un renard. Ici, c'est mon parc. Tu fais ce que je dis ou je vous jette tous dehors. Quel est le problème? Tout est ma faute. Je suis une Belette. Faites attention! Siffleur, je t'en prie, il faut que tu apprennes à te poser. Je m'excuse platement, je volais tranquillement et tout à coup j'ai entendu quelque chose de terrible. Ah? Est-ce que par hasard, Brute aurait encore perdu son sang-froid? Il devient intenable. Oh. Je suis sorti du parc du Daim Blanc pour chercher Chouette. Je n'ai pas été capable de la trouver. Il faut simplement que tu essaies encore de la chercher. Les choses ne sont plus les mêmes ici, depuis que Chouette n'est plus là pour nous faire des remarques d'un goût très douteux. Tout va bien, Vipère. Tu t'es trouvé un nouveau compagnon? Excuse-moi, mais ça ne te regarde pas. Et tu vas nous donner de beaux petits bientôt, on dirait. Sinueux. Est-ce que je règle le compte de cette odieuse créature, ou est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as parlé à d'autres chouettes ou à des hiboux? Oh, à 6 ou 8, mais personne ne l'a vue. Elle est peut-être partie très très loin, chercher un compagnon. Oh, c'est donc ça qu'elle cherchait. Enfin, j'espère qu'elle aura autant de chance que moi. Et que moi? Ou moi? Je connais cet endroit, bien sûr. Nous sommes passés par ici pendant notre voyage vers le parc du Daim Blanc.
Est-ce que ce salut s'adresse à moi personnellement, le chef des chauves-souris, ou est-ce qu'il s'adresse à toutes les chauves-souris? Comme vous voudrez, ça m'est totalement égal. Elle dit qu'elle s'en moque totalement. Elle s'en moque totalement. Elle s'en moque totalement. Elle s'en moque totalement. Vous permettez que je partage votre clocher? J'en suis certaine. En fait, je cherche désespérément un hibou. Elle cherche un compagnon. Un compagnon? Un compagnon? Je vais lui trouver un compagnon. Non, merci, je peux... Elle ne sera pas longue. C'est moi qui la remplace en attendant. Vous pouvez vous adresser à moi. Je trouve très difficile de parler à quelqu'un qui a la tête en bas. Évidemment que j'ai la tête en bas. Je suis une chauve-souris. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Comment ça, c'est une insulte? C'est une insulte. Ah, c'est une insulte? C'est une insulte. Je lui dirai que tu m'as insulté quand elle reviendra. Je pourrais peut-être vous raconter une histoire qui nous permettrait de nous endormir bien tranquillement. Eh ben, je ne sais pas. Je sens que ça va être ennuyeux. Voilà, cette histoire en réalité est celle de renards et des autres animaux du bois de Katsu et de notre célèbre voyage jusqu'au parc du Daim Blanc. C'est au cours de ce voyage que Renard a fait la connaissance de sa compagne. Bien. Et voilà, j'ai trouvé. Et comment appelez-vous ça? Bonjour, Baudet. Oh! Je sais, je n'ai pas tout à fait un hibou, mais c'est tout de même un oiseau, n'est-ce pas? Il devrait vous convenir. Oh!